Un avion vole à une vitesse constante et une altitude constante de 2000 mètres. À un moment donné, le pilote voit un repère fixe au sol, sous un angle de 42 degrés, sous l'horizontale. 20 secondes plus tard, l'avion passe à la verticale au-dessus du repère, qui est la vitesse de l'avion. Ce que ça veut dire, première phrase, un avion vole à une vitesse constante et une altitude constante de 2000 mètres. Ça veut dire que si vous voyez l'avion là, l'avion que vous voyez ici, ben il vole, voilà, à une altitude constante, toujours, il est toujours à 2000 mètres par rapport au sol. Ça, c'est la première chose. Et sa vitesse est toujours la même. On a une vitesse constante. C'est pas qu'il fait une accélération, il vole plus vite à un moment donné. Voilà, non. Ici, il a une altitude constante et une vitesse constante. Ensuite, deuxième phrase. À un moment donné, le pilote voit un repère fixe au sol, sous un angle de 42. Et bien, effectivement, là, il voit le repère fixe en A. C'est un repère, hein, voilà, RF, repère fixe, sous un angle de 42 degrés par rapport au sol. Le sol, c'est ce que j'ai assuré. C'est H. H, c'est le sol. Troisième phrase. 20 secondes plus tard, l'avion passe à la verticale au-dessus du repère. On demande quelle est la vitesse de l'avion. Donc, ça veut dire, l'avion ici, il vole. Voilà, il voit un repère fixe ici, hein, sous 42 degrés. Puis, on compte, là, c'est T égale 0. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. À 20 secondes, il est passé au-dessus du RF, du repère fixe. Il a fallu 20 secondes à vitesse constante, à une altitude constante pour arriver à RF. Donc, bien sûr, vous avez compris qu'on monte la vitesse. Le vecteur vitesse, bon, sa direction, elle est parallèle à l'horizontale. Le sens de droite vers la gauche, et on demande sa norme, la vitesse constante en mètres par seconde. Alors, mètres par seconde, c'est m, mètre, le symbole de mètre, c'est m, le symbole de seconde, c'est s. Mais bon, si j'utilise SEC, ça ne me dérange pas. Je peux utiliser S ou SEC pour les secondes. Hein. Bon, c'est compréhensible. C'est vrai que c'est deux unités les mêmes, mais avec des appellations différentes. Je ne peux pas faire ça, mais je vais le faire quand même. Parce que bon, je suis habitué avec SEC. Hein, c'est vrai que normalement, c'est S. S. Bon, ceci étant dit, ça c'est pour la petite histoire. Eh bien, on va faire nos calculs. Et vous aurez compris que c'est un problème de cinématique lié à un problème. Cinématique, ben, c'est une relation entre l'espace-temps, une relation d'un mobile, voilà, voilà, qui relie un mobile qui fait un mouvement, puisqu'il est en mouvement, hein, la cinématique, c'est l'étude des mouvements. Il fait un mouvement dans l'espace en fonction du temps. Un mouvement dans l'espace en fonction du temps. Et donc on donne le temps parcouru et là, on demande la vitesse qui est une vitesse constante, voilà, sachant qu'il a parcouru un certain espace. Voilà. Donc la relation espace-temps va me donner la vitesse. Et cette relation, bien sûr, c'est un espace divisé par le temps fait la vitesse. Et donc, V est égal à D sur T. Alors, D, qu'est-ce que c'est? C'est la distance où l'avion voit le repère à 42 de, sous 42 degrés par rapport à l'horizontale et le repère fixe. Voilà, donc il va parcourir AB. Et AB, c'est la distance parcourue par l'avion. Alors, la distance parcourue par l'avion, que j'appelle distance D, ou l'espace parcouru E, c'est la même chose, hein. Donc, si la vitesse, c'est la norme de la vitesse, c'est la distance sur le temps ou l'espace sur le temps. Et D vaut E ici, hein, qui est constant. Donc le tout, le temps on le connaît, mais c'est le D qu'on ne connaît pas. Alors là on a un triangle rectangle, on va trouver le D, sachant que l'altitude est toujours la même, est de 2000 mètres. Donc on a plusieurs possibilités. Bon, on a un triangle rectangle, je rappelle que c'est 2, 1, donc il faut deux données, une inconnue. Alors, est-ce que si j'utilise le sinus A, j'ai deux données et une inconnue? Est-ce que si j'utilise le sinus de C, j'ai deux données une inconnue? Bon, je ne vais pas chercher le sinus de B parce que le sinus de B il fait 1. C'est sinus de 90, hein, il fait 1. Est-ce que je vais chercher cosinus de A? Il y a,
Bon, tout d'abord, pour sinus A, sinus C, il me faut la comment on appelle ça? L'hypoténuse. Il me faut l'hypoténuse. Déjà, je ne connais pas l'angle C et je ne connais pas l'hypoténuse. Donc sinus C, je peux l'éliminer. Il y a deux inconnus là. Le sinus A, bien, là, il faut toujours deux données, une inconnue. Le sinus de A, ben, il me faut l'hypoténuse. Je connais 42 degrés et je connais le côté opposé. Donc, je connais, là, je peux trouver, bon, l'hypoténuse. Ben, ça ne me sert à rien de chercher l'hypoténuse. Voilà, parce qu'on ne me demande pas l'hypoténuse. Hein. Donc, le but, c'est pas de chercher l'hypoténuse. Parce que je cherche chercher D qui vaut AB. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de chercher l'hypoténuse. Ben, avec sinus A, je peux trouver l'hypoténuse connaissant le côté opposé H et l'angle 42. Bon, cosinus A. Ben, le cosinus A, c'est le côté adjacent D et l'hypoténuse. Mais là, connaissant D 42 degrés, je peux trouver l'hypoténuse. Et ça ne m'intéresse pas de trouver l'hypoténuse. Donc, je peux trouver des choses, mais des choses inintéressantes pour l'exercice. Le cosinus de C, ben, c'est côté adjacent, H, et encore une fois, l'hypoténuse. Bon, l'hypoténuse, bon, je peux le trouver via cosinus de C. Soit cosinus de A, cosinus de... De toute façon, cosinus de C, non, parce que j'ai deux inconnus. J'ai B et C qui sont deux inconnus. Voilà. Quoique, bon, je peux trouver l'angle de C, hein. Je fais 90 moins 42, je peux trouver C. Voilà, mais bon, c'est pas la meilleure manière de trouver. Voilà. Maintenant, tangent de C. Mais C, on connaît pas. Quoique, je peux le trouver. Je fais 90 moins 42, je l'ai. Ben bon, ça fait deux opérations, c'est un peu trop. Je préfère travailler avec le tangent de A. Voilà. Tangent de A, c'est mieux. Parce que là, il n'y a qu'une seule opération, il n'y a pas besoin de rechercher 90 moins 42. Voilà. Alors, tangent de A, là, à ce moment-là, c'est côté opposé sur côté adjacent. Et côté opposé, c'est H. Et côté adjacent à 42, c'est D. Donc, on aura. J'ai 42 degrés, j'ai H, je peux trouver D. Voilà. Donc, en faisant la tangente. Tangent de A. Les 42 degrés sont là, H est là et D est là. Donc, si vous voulez, le D, c'est ce qu'on cherche, c'est la distance parcourue par l'avion, en un temps donné, 20 secondes, eh bien, cette tangente de 42 degrés est égal au côté opposé sur côté adjacent. Sachant que on connaît H qui vaut 2000 mètres. Voilà. Donc je peux trouver D qui vaut 2000 sur tangente 42. Bon, je cherchais la calculatrice Windows. Je tape calque, c'est une touche qui est sur mon clavier. Voilà. Et là, je vais faire 2000 divisé par tangente 42, ferme parenthèse, égal. Ça, c'est pas possible. J'ai fait une erreur quelque part. On va recommencer ça. 2000 divisé par la tangente de 42 degrés. C'est étrange. Voilà, je vais donner la réponse hein, parce que c'est vrai que je l'ai fait à la machine. À mon avis, c'est en radian. Bon, à la machine, j'obtiens 2221. Virgule 12,25 030. Voilà. Bon, bien sûr, ici je vais couper ici, hein. Mètre. Donc,
En 20 secondes, il a fait 2221 mètres. Bon, je vais approximer à 2221 mètres. Environ 2221 mètres. Ceci en 20 secondes. Il a parcouru 2221 mètres. Bon, maintenant, la vitesse, c'est en mètres par seconde, pour une seconde. Je cherche pour... Ici, j'ai mis SEC à la place de S. Hein. Normalement, c'est S. Là, je mets S. Bon... Moi, j'utilise SEC, c'est mieux. Voilà, je préfère. C'est vrai que c'est trois lettres en plus, c'est deux lettres en plus, mais... Donc, la vitesse, c'est 2221 mètres divisé par 20 secondes. Donc, si je calcule ça, je vais diviser par 20 le résultat que j'ai d'obtenir. Voilà. Et ça, ça ne va pas non plus. Oui, ça fait 111 mètres à la seconde. Ça fait 111 mètres à la seconde. Bon, maintenant je vais calculer en kilomètre heure. Alors je vais faire 111 fois 3,6. Ce qui fait environ 400 km heure, hein, 399,82. Hein, bon, ça fait environ 400 km heure. Hein. Donc c'est un petit avion. C'est un petit avion. Donc l'avion vole à 400 km heure. C'est une demi-heure, il a fait 200 km. Et en 15 minutes, il fait 100 km. Donc en 15 minutes, il a fait 100 km. Donc quelqu'un qui prend un trajet en métro, il fait 15 km, enfin il fait en 15 minutes, bon il va pas loin. En avion, avec un petit avion de tourisme, voilà, c'est un petit avion, c'est même pas un avion en réaction ici. Eh bien, avec un petit avion de tourisme, bon, en 15 minutes, il a fait 100 km. Et s'il fait un aller-retour, bien sûr, que si on fait 100 km, il faut penser à au retour, mais il y aura le double. S'il fait la même vitesse, bien sûr, hein, toujours à vitesse constante. S'il fait la même vitesse, il va parcourir 100 km en aller et 100 km en retour. Ça fait 200 km. C'est d'office. Hein. Si je fais 100 km dans un point A, un point B, pour revenir du point B au point A, voilà, il doit faire le double. Le double. Et s'il fait la même, il parcourt toujours à vitesse constante l'aller et le retour, ben, il fera le même temps. Donc 15 minutes et 15 minutes, ça fera 30 minutes. Donc pour faire 200, pour faire un aller-retour de 100 km, ça fait 200 km, ben il fera 30 minutes. Avec un avion de tourisme comme ça, qui vole à 400 km/h. Donc ici, j'ai calculé aux environs. J'ai pas pris, j'ai pas voulu prendre, je veux dire, avec précision au centième. Hein. J'ai calculé aux environs. J'ai retiré les centièmes. Hein. Tout ce qui était centième, j'ai enlevé. Voilà, on ne demande pas un calcul de précision, ici on demande juste bon, la vitesse en gros à l'unité près. C'est bon de savoir à l'unité près, on s'en fout de calculer au centième. Je vous remercie.